Hey, c'est moi. Monsieur ? Écoutez, j'aimerais bien reprendre la classe, mais pour le moment, je peux pas vraiment, alors. Ce que vous faites, c'est que vous dites à tout le monde de me rejoindre ce soir sur renseignant.com. Je donnerai mon cours en live. Vous voulez faire école après l'école ? C'est ça. Mais leur rendez pas comme ça. Dites-leur que ça va être bien, on sera sur Internet, on pourra chatter, que tout le monde vienne. Ok, on dira à tout le monde. Mais vous étiez passé où, monsieur ? Quand j'aurai un peu plus de temps, je vous raconterai. Que tout ceci reste entre nous et la classe, hein, pas un mot proviseur. Bon, à ce soir. Ok, bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. N'hésitez pas à envoyer des SMS au reste de la classe, histoire qu'ils nous rejoignent en cours de route. Non, Julie, je vais pas faire de let's play. Aujourd'hui, on va reprendre le programme. Là, on s'en était arrêté. Alors, bon, je peux pas vérifier, je compte sur vous pour prendre des notes. Eh ben, écoutez, je vous propose qu'on attaque. J'imagine que vous l'avez remarqué, mais la plupart des jeux que nous avons étudiés, malgré les différences de genre, sont tout de même sur la forme assez similaires. Nous avons le contrôle d'un sprite, c'est-à-dire d'un personnage, un vaisseau ou autre, à travers lequel nous interagissons sur l'environnement. Nous avons un objectif, éliminer les envahisseurs, se rendre au bout du niveau, éliminer les adversaires, se rendre au bout du niveau, etc., etc. Notre obstacle principal est donc le sprite, celui que l'on ne contrôle pas, avec lequel nous devons éviter coûte que coûte la collision qui mettrait fin à notre partie. Mais en 1981, Don Daglo, développeur pour Mattel, va proposer un jeu avec un concept tout à fait différent. Dans ce titre, nous avons la présence de deux îles, chaque joueur étant propriétaire de l'une d'elles. À la manière d'un jeu de société, les joueurs ne jouent pas simultanément, mais chacun à leur tour. En fonction de nos capitaux, nous pouvons alors financer l'agriculture, les logements, les usines, les écoles et les hôpitaux, dans le but d'augmenter nos recettes, notre population, pour lui faire atteindre un niveau de vie supérieur à celle de l'autre joueur. Pas besoin de vous faire un dessin, le jeu est tout simplement l'ancêtre de Sim City. Ouais, ça nous rajeunit pas. Enfin bon, Don Daglo parvient à créer un titre tout à fait original et en plus de ça, assez accrocheur. Deux années plus tard, Mule reprend le flambeau. Nous nous retrouvons sur la planète Hirata et quatre joueurs doivent gérer les ressources de cette planète grâce au Mule, l'unité de travail à multi-usage qui permet d'exploiter les ressources de la planète. Il y a précisément quatre éléments vitaux, l'énergie, la nourriture, le minerai et la cristite. Chaque joueur récolte donc des quantités variables de ces quatre éléments et c'est sur ces ressources que se base le gameplay. Mule s'avère une véritable simulation économique. La victoire s'acquiert avec une accumulation suffisante des quatre éléments, ce qui est impossible pour un joueur seul. Le commerce avec les autres participants est indispensable pour acquérir les éléments présents en faible quantité sur notre terrain et vendre ses excédents. La stratégie est donc indispensable. On peut par exemple créer un manque d'un élément pour en augmenter sa valeur et la revendre bien plus cher. Avec The Ancient Art of War, c'est la guerre qui est au cœur du jeu. Sur un champ de bataille, il vous faudra mener vos troupes à la victoire. Le temps réel nous oblige à agir vite et la possibilité d'assister aux batailles ajoute un côté spectaculaire au jeu et avouons-le, c'est tout de même plus sympa à regarder qu'une série de chiffres. C'est vrai que ça nous rappelle un jeu de société, Risk. Et oui, à ses débuts, la stratégie au sein du jeu vidéo s'approche énormément de la stratégie plateau. Ici, l'inspiration en est flagrante. On contrôle un pays, par exemple la France, et le but sera de contrôler un maximum de territoire par la diplomatie, en fondant des accords de paix avec certains pays, et bien plus souvent par la force. La même année, Balance of Power nous immerge dans le conflit de la guerre froide. On incarne au choix le président des États-Unis ou de l'URSS. L'objectif est bien entendu de détenir une zone d'influence plus importante que l'opposant. Il sera nécessaire de négocier des accords, octroyer des aides économiques ou militaires à certains pays pour les voir se ranger de notre côté, mais faire aussi attention à sa popularité avec notre propre nation afin d'envisager la réélection et bien entendu, règle d'or, éviter à tout prix le déclenchement d'une guerre nucléaire qui mettrait tout simplement fin à notre parti. Le jeu de stratégie s'adapte donc à la perfection à l'informatique, puisqu'il s'agit de gérer une quantité de statistiques, ce qui serait assez fastidieux à réaliser sur papier. Heureusement, quelques titres vont s'avérer tout de même plus originaux. CinemaWare, société californienne fondée en 86, souhaiterait proposer de la stratégie avec une narration un peu plus présente. Eh bien, Defender of the Crown se déroule dans l'Angleterre du Moyen-Âge que se disputent Saxons et Normands. À vous d'unifier l'Angleterre. Chaque territoire en notre possession permet de collecter des impôts, d'accroître donc son capital, dans le but d'élever une puissante armée. On se retrouve à nouveau sur du tour par tour, mais les graphismes pour cette époque sont tout simplement éblouissants et surtout, de petites phases de jeu ponctuent le titre, comme dit Joute, des destruction de château avec une catapulte ou même des combats d'épée. Alors c'est certes très sommaire, mais l'intention est bien là. Un certain Sid Meier approfondira considérablement cette idée. Il fonde sa société en 82 avec son ami Bill Stilley Microprose et c'est en 1987 qu'il propose une simulation de la vie d'un pirate des Caraïbes du XVIIe siècle avec Pat.
Pirates. Et pour la première fois, on se déplace directement sur le Pacifique. On ne passe plus par une interface pour donner nos instructions. On participe aux batailles navales, aux combats d'épée. Sid Meier mélange habilement stratégie et jeu d'aventure. Il vous faudra recruter votre équipage, voyager de ville en ville pour piller ou plus simplement pratiquer le commerce, et pourquoi pas se rattacher à l'un des empires entre la France, l'Angleterre, l'Espagne et la Hollande qui se disputent ces terres du Pacifique. Le titre est d'une richesse époustouflante en proposant une si grande liberté dans cet open world, en variant les phases de jeu tout en restant historiquement cohérent. Revenons à CinemaWare avec Lord of the Rising Sun qui traite de la guerre civile japonaise du 12e siècle. Après avoir choisi le général que l'on incarnera, place à la conquête des territoires. Il faudra aller dans les villes et monastères pour recruter son armée, combattre ou rallier à sa cause les clans mineurs du conflit, et cette fois-ci, lors des batailles, nous dirigeons nos troupes à la souris en temps réel, influençant donc la victoire ou la défaite. Elles sont d'ailleurs très agréables à regarder, CinemaWare souhaite en jeter plein les yeux. En tout cas, Sid Meier ouvre clairement une brèche avec sa stratégie si particulière et certains titres vont clairement s'y engouffrer. Vous l'aurez compris, avec Nord et Sud, nous voilà en pleine guerre de sécession. Le jeu d'Infogrames s'inspire de la BD, Les Tuniques Bleues, le titre, ne sera donc pas dénué d'humour. Là encore, nous débutons en choisissant notre camp entre les Unionistes et les Confédérés sur la carte des États-Unis. Nous déplaçons nos troupes tour par tour pour tenter de s'emparer d'un maximum de territoire. Et lors du conflit, vous contrôlez directement vos personnages dans le but d'éliminer la totalité des troupes adverses. Le boulet de canon fait énormément de dommages, la cavalerie est rapide et l'infanterie précise. Pour s'emparer d'un fort, on se retrouve presque avec un beat'em all, il faut pouvoir hisser le drapeau de son camp avant la fin du temps imparti, mais l'adversaire peut envoyer des unités pour tenter de nous contrer. La situation est à peu près identique pour la prise d'un train. Avec Iron Lord, l'un des premiers titres d'Ubisoft, on se retrouve dans un monde imaginaire où il nous faut renverser le pouvoir de son frère maléfique, Zolfar. La première partie consiste à recruter une armée. En voyageant de village en village, on dialogue donc avec les personnages en tentant d'attirer le respect en participant à des concours de tir à l'arc, en jouant au dé dans les tavernes ou encore en défiant les durs à cuire au bras de fer. Votre armée en main vient ensuite la guerre, affrontement direct avec une sorte de jeu de réflexion. Arrivé au château de Zolfar, c'est un labyrinthe qui se présente à vous. Nous devons trouver la sortie pour enfin affronter dans une sorte de shoot'em up à la Space Invaders Zolfar. Vous voyez qu'avec certains titres, ça devient un véritable fourre-tout. Enfin bon, je me doute que derrière vos écrans en ce moment, vous êtes morts d'inquiétude parce que je n'ai toujours pas parlé d'un certain Peter Molineux. Celui-ci s'était fait remarquer avec The Entrepreneur, un jeu textuel, une simulation de bourse et de création de société. Vous l'aurez donc compris, un concept assez original. Admirateur de Shigeru Miyamoto, il fonde sa société Bullfrog et imagine un concept novateur. Jouer le rôle d'une divinité, seulement les éditeurs trouvent le titre prétentieux et surtout assez mauvais puisque l'on ne contrôle pas directement un personnage. En effet, Molineux imagine un jeu mélangeant gestion et stratégie. Seul Electronic Arts fera confiance à ce projet farfelu. Et vous le savez, Populous sera un énorme succès critique et commercial international. On incarne donc le dieu d'une population et pour avoir du mana, des pouvoirs magiques, on a besoin d'adoration et de divers cultes voués à notre personne. Bien entendu, plus il y a de fidèles, plus il y a d'adoration. Il faut donc se mettre au travail, commencer par offrir un terrain clément à notre peuple, afin qu'il ait la possibilité de construire des bâtiments et d'accueillir de nouvelles personnes. Nous ne contrôlons pas nos fidèles, mais nous pouvons exiger d'eux des attitudes générales. C'est un petit peu le même principe qu'avec nos acolytes. Non seulement ils m'idolâtrent, mais bien que je ne puisse les contrôler, ils répondent presque toujours à mes attentes. Regardez, tiens, allez-y, dansez la Macarena. Peut-être que Molineux s'est inspiré de mes acolytes, allez savoir. Nous pouvons donc donner des instructions telles que rejoindre le leader, s'armer pour la bataille, oui, parce qu'en face de nous, il y a une autre population avec un dieu concurrent. Vous savez bien que les religions font rarement bon ménage. Notre pouvoir est simple, envoyer des catastrophes naturelles à nos ennemis, tremblements de terre, volcans, raz de marée, ou plus simplement envoyer nos fidèles à la bataille si le mana nous manque, pour faire en sorte que la population adverse soit toujours inférieure à la nôtre. N'oublions pas cette interface judicieuse améliorée depuis car reprise par bon nombre de titres, avec la carte globale, une vue plus proche pour la situation et les icônes pour interagir avec ce monde. Beaucoup définissent Populous comme le premier véritable succès commercial et critique du jeu de stratégie. Et bien voilà, voilà, on arrive à la fin de ce cours, pas de sonnerie cette fois-ci. Bon, je me doute que c'est pas super efficace comme méthode d'enseignement, mais pour l'instant, bah, c'est tout ce que j'ai. Toute façon, ce soir, je rencontre quelques personnes, je vais essayer de trouver une méthode alternative pour vous proposer mes cours. Voilà, de toute façon j'enverrai un SMS à Omar et il vous préviendra tous pour savoir où suivre le prochain cours. Et pour ce qui est de l'établissement Jean-Jacques Rousseau, oui, j'espère revenir assez prochainement vous enseigner. Pour l'instant, je vous avoue que c'est vraiment pas gagné, j'ai quelques problèmes, je vous raconterai tout ça, promis. Pour l'instant, ce que je peux faire, c'est vous dire bonne soirée et de toute façon, je vous retrouve demain pour vous proposer un cours avec une méthode plus adaptée, promis. Allez, bonne soirée tout le monde.
Ciao. De toute façon, le jeu vidéo, c'est Internet. Moi, j'ai du matos, je vais t'apprendre et tu vas voir, ça va aller tout seul. Détrompe-toi. Le jeu vidéo, c'est un sujet pour la télé. Et justement, on manque de personnes compétentes pour en parler. Mais tu sais, le montant du chèque, c'est pas le même. Non mais d'accord, mais t'as vu à quoi ils rédigent le jeu vidéo à la télé? À de la promo. Et toi, tu veux arriver et leur proposer une émission sur l'histoire du jeu vidéo? Mec, Internet, c'est la liberté. T'as pas de contraintes, t'as pas de patron. Ouais, la liberté, c'est bien, hein. Je pense quand même que Internet conviendra mieux au sujet. Le bon choix! On commence demain? Écoute, si tu changes d'avis, tu m'appelles? Allô? Monsieur Stanislaski? C'est à propos de l'enseignant monsieur Edouard. Mais je crois bien qu'il est reparti sur la capitale. C'est impossible. Vous en êtes certaine? Merci de m'avoir prévenu, madame Chaboy. Je vais régler l'affaire tout de suite.